À l'âge de 8 ans, on m'a forcé à faire du piano, alors que tout ce que je voulais, c'était faire de la danse classique. Tous les plus grands compositeurs sont issus de familles de musiciens. Léopold Mozart forçait son fils Wolfgang à jouer du clavecin, les yeux bandés. Johann von Beethoven obligeait son fils Ludwig à jouer de l'orgue toute la journée, à tel point qu'il en est devenu sourd. Joe Jackson battait Michael jusqu'à lui en casser le nez. Mon père était chauffeur de bus. Mais, tous les dimanches matins, il nettoyait son aquarium. En fait, il nettoyait ses aquariums. Il y en avait deux, un dans la cuisine, un dans le salon, ce qui fait que le nettoyage durait. Et il nous passait en boucle ce qui, pour lui, représentait la quintessence de la musique du XXe siècle. De 7h à midi, la même chanson. Pour toi, papa.
Mike Brandt. Après le rituel du dimanche matin, vient le rituel du dimanche midi. Maman joue de la mandoline, tomate et concombre. Elle joue aussi du piano, celui sur lequel elle fait danser sa batterie de cuisine et chanter les échalotes. En ouverture, le premier apéritif. Avec des cacahuètes. Deuxième mouvement. Avec des petits fours. Le menuet. Avec des verrines. ...14h30 précise. Levé de rideau. L'entrée. Froide. Des œufs en gelée. Puis l'entrée chaude. Des croissants au jambon. Avec de la béchamel. Plein feu sur le plat. Un rôti. Avec ses petits légumes verts. Et ses galettes de pommes de terre. ...16h30 précise, la cloche à fromage sonne le requiem de cette grande scène. Et on s'enivre d'un dernier verre de vin et de toutes ces musiques qui le dimanche nous envahissent. Le dessert, la farandole de dessert. Une tarte aux pommes, un fraisier. Du pudding. Puis le café avec son spéculoos, puis le pouce café, cognac ou calva. Ou les deux. ...17h30 précise. Le point d'orgue du dimanche en famille. Le feuilleton du dimanche. Thank you.
Merci. On en apprend des trucs au conservatoire. On fait des expériences. On partage des expériences. La mer. Alors, nous sommes réunis ce soir pour exécuter ensemble une œuvre de musique contemporaine. Une symphonie figurative à caractère maritime directement issue du Fluxus. Tout le monde sait ce que c'est que le Fluxus. Je rappelle pour ceux qui ont oublié. Le Fluxus, c'est un mouvement d'art contemporain, de musique contemporaine, apparu dans les années 70, dont les fers de lance étaient John Cage, Yoko Ono. Et si vous voulez, dans le Fluxus, il n'y a plus de frontières entre la salle, la scène, le public, les musiciens. Chacun est artiste du Fluxus. Donc quand je dis la mer, vous faites la mer, vous êtes la mer. Non mais la musique contemporaine, c'est quelque chose de très sérieux. Alors quand je ferme le poing, vous arrêtez. J'ai ma soirée, hein. On apprend des trucs en musicologie. Très bien. Les mouettes. Non mais j'ai pas fait signe. Non mais ne riez pas! Ne riez pas! Vous savez, on parlait du Fluxus tout à l'heure. On parlait de John Cage. Tout le monde connaît John Cage? Je répète pour ceux qui ont oublié. John Cage, c'est un compositeur de musique contemporaine qui a beaucoup cherché, qui a un peu trouvé, dont l'œuvre la plus connue, peut-être pas la plus magistrale, c'est 4 minutes 33. C'est une pièce pour piano. Fermé. Non mais c'est vrai, vous n'imaginez même pas tout ce qui peut se passer en 4 minutes 33 de silence. Des rires, des déclenchements d'appareils photo. Des gloussements, des toussotements, on pourrait presque entendre la climatisation. Et ben vous voyez, pour John Cage, la musique c'est aussi ça. La musique c'est le chaos. Alors j'ai envie de dire, chacun sa mouette. Non, madame, vous, c'est la mer. De la discipline. S'il vous plaît. Balcon du milieu. Les sirènes.
John Cage aurait dit « chacun sa sirène ». C'est vrai que dans une symphonie figurative à caractère maritime, quand j'entends sirène, j'entends celle d'un bateau, un paquebot qui rentrerait au port de... Vous savez, pour nous, les gens du Nord, quand on parle de la mer, c'est Dunkerque, Boulogne, Bredune. Vous connaissez Bredune ? Très joli. Donc faites-moi la sirène du paquebot. Je vois que j'ai affaire à un public de néophytes. Pour simplifier, on va utiliser la technique du sand painting. Tout le monde sait ce que c'est que le sand painting. Je répète pour ceux qui auraient oublié. On en apprend des trucs en pianistologie. Si vous voulez, le sound painting, c'est une technique de direction d'orchestre où les interprètes, les musiciens, réagissent à leur manière en fonction des signaux du chef. Par exemple, si je demande une note longue, une note courte, et après, il y a plein de signaux possibles. Ce qu'on appelle la technique étendue. Le signal, c'est ça. Grosso modo, ils vont jouer de leur instrument de n'importe quelle façon, sauf d'une façon normale. Et la shake line ! La shape line, le signal c'est ça, en fait, ils font ce qu'ils veulent en fonction de mes signaux. C'est ça, le sound painting. Donc, pour simplifier, la mer, ce sera... Les mouettes. Très bien. Nous allons pouvoir commencer. Symphonie figurative pour piano, orchestre symphonique, cuillère à soupe et public non averti. La mer. Non, c'est le titre. On voit danser. Le long des golfes clairs. Belle île en mer. Marie Galante. C'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mer qui prend l'homme. Belle île en mer, Marie Galante. Trente-cinq jours sans voir la terre. 35 jours de galère est venu pour se vider.
Cargo de nuit. Cargo d'ennui. Cargo d'ennui. Cargo d'ennui. Et cette machine dans ma tête. Faites la machine. Faites la machine. Faites la machine. Et cette machine dans ma tête. Machine sourde. Tempête. 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 Tempête, faites la tempête. Faites la tempête. 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 Machine sourde, tempête. La mer a des reflets changeants. Sous la pluie. Non. On n'a jamais vu un orchestre s'applaudir. Écoutez, on va faire un truc simple. La mer, vous vous levez. La mer, vous vous levez. Voilà, à part pour vous, mais surtout en bas. Faites un quart de tour sur votre droite. Voilà. Et vous saluez. Maintenant, les mouettes, vous vous levez. Vous faites un quart de tour sur votre gauche et vous saluez. Et maintenant, les sirènes. Une ovation pour les sirènes! Maintenant, l'orchestre, vous vous levez et vous saluez. Voilà. Et maintenant, et seulement maintenant, vous pouvez applaudir le chef d'orchestre. Vous pouvez applaudir le chef d'orchestre. On en apprend des conneries au conservatoire. Non mais c'est vrai. Non, enfin pas des conneries, mais c'est des trucs cool quand même. C'est quand même un peu bizarre. Parce que si vous voulez devenir pianiste, il faut connaître John Cage. Il faut connaître le fluxus. Il faut connaître le dodécaphonisme. Vous savez ce que c'est le dodécaphonisme? Je répète pour ceux qui ont oublié. Le dodécaphonisme, c'est un truc super. On n'a pas le droit de jouer une note tant qu'on n'a pas joué toutes les autres. Non mais, il y a même un compositeur, Gheorghe Ligeti. Il a composé un poème symphonique pour 100 métronomes. Bon, là on se rend pas bien compte, hein, mais... Bon, après, il y a des tas de trucs qu'on vous apprend pas au conservatoire. Comme par exemple, savoir jouer 3 accords de guitare pour pouvoir draguer les filles sur la plage. Bah, sans déconner, quand on est pianiste, c'est pas pratique. Puis, on fait des exercices. Des gammes.
puis après, on peut faire des préludes de Chopin. Des sonates de Ludwig van Beethoven. D'autres préludes de Jean-Sébastien Bach. À force de travail, je progresse, je prends de l'assurance. Et j'explore le panthéon des grands compositeurs. Dimitri Shostakovich. Sergueï Rachmaninov. Ma voie est toute tracée. Je vais devenir concertiste. Et alors je bosse encore et encore et toujours Chopin. Et encore et toujours Beethoven. Et encore et toujours Bach. Jusqu'au jour où à l'âge de 16 ans mon professeur de piano, mon maître à penser, mon père spirituel me pose cette question apparemment anodine. Mon petit Simon, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Pas pianiste quand même. Sérieusement. Huit ans de travail acharné pour espérer faire partie d'une élite. Et tu comprends que toutes ces belles notes de musique te sont interdites. Je repense à mon premier piano. Un Casio VL-Ton, ou VL-1 selon les pays d'exportation. Cet instrument a révolutionné la musique. C'est le premier synthétiseur qui a été fabriqué pour les enfants. Et l'argument ultime de vente de Casio à l'époque, c'est qu'il peut faire calculatrice. C'est pas un piano qu'on m'avait offert. C'est une connerie de calculatrice. Ok, j'ai 16 ans, on est en 1997. Si je peux pas jouer du Chopin, je peux jouer du Alliage. Et c'est le temps qui court, court, qui nous rend sérieux. Ou du Morane. Quand j'entends ce prélude de Bach. Céline Dion. When I was young, I wouldn't let in anyone. And looking love was just for fun. So stay at de toute façon, à partir du moment où tout le monde confond Procolarum
avec l'Aria de Pâques. On peut faire ce qu'on veut. On pourrait même composer. On pourrait même composer un poème symphonique pour calculatrice. Il n'y a que 12 notes, il faut se les partager. J'ai 16 ans, 12 notes et une calculatrice. Qu'est-ce que je peux en faire? Ou plutôt, qu'est-ce que MacGyver en ferait? Da da da. Da da da.
Da da da. Da da da. Ah, da da da. Honnêtement, levez la main ceux qui se souvenaient de da da da. Ouais, pas ma version, la vraie, hein. Ok. Et maintenant, toujours honnêtement, levez la main ceux qui connaissent le nom du groupe qui jouait da da da. C'était Trio, un groupe allemand, 1982. Mais rassurez-vous, c'est normal. C'est le lot de tous les standards. Un standard, c'est un morceau que tout le monde connaît. Éventuellement, on se souvient du titre, mais jamais du compositeur. Par exemple, ça là. Levez la main, ceux qui connaissent le nom du compositeur. Du morceau qu'on vient d'entendre là. Oui, monsieur ? Antonio Carlos Jobim, vous imaginez ? Ce mec a composé la musique officielle des ascenseurs Otis. Et vous n'êtes que quatre à se souvenir de son nom. C'est un standard. Celui-ci est un autre standard. Les feuilles mortes, The Autumn Leaves. Qui a composé les feuilles mortes ? Cosma. Et son prénom à Cosma ? C'est Joseph Cosma qui a composé les feuilles mortes. Vous imaginez une des plus belles pages de l'histoire de la musique, un des standards de jazz les plus joués, et tout le monde se souvient de l'autre qui a fait la chèvre. C'est un standard. Un autre. Ça c'est... Merci. C'est si bon. Ce standard a été chanté par les plus grands. Ça a été chanté par Louis Armstrong, par Ella Fitzgerald. Ça a été chanté par mon père quand il faisait du bal. Pour dire si c'était connu. Qui a composé C'est si bon. Il est belge. Non, ce n'est pas Jacques Brel. Ce n'est pas Stromae. Ce n'est pas Annie Cordy. Ce n'est pas Plastic Bertrand. Ce n'est pas Morane. Ce n'est pas Axel Red. Ce n'est pas Adamo. Ce n'est pas Johnny Hallyday. C'est Henri Betti. Ce mec a composé un des standards les plus joués. Un des 45 tours les plus vendus de l'histoire. Et tout le monde a oublié son nom. Mais on s'en fout ! Eh oui, parce que ce qui est bien avec les standards, c'est qu'au bout d'un certain temps, ils appartiennent à tout le monde. Celui-là, par exemple. Someday my prince will come, un jour mon prince viendra. Ce standard de jazz a été joué par les plus grands. Ça a été joué par Michel Petrucciani. Ça a été joué par Miles Davis. Ça a été... Il y a un album de John Coltrane qui s'appelle Someday my prince will come. Ça vient d'être joué par le Simon Fache Trio.
Et ce standard de jazz est directement issu d'un générique de dessin animé de Walt Disney. Mais comme les standards appartiennent à tout le monde, chacun peut se raconter sa propre histoire. Il était une fois. Il y a bien longtemps, dans un château fort fort lointain, une reine qui se désolait de ne pouvoir avoir d'enfant. Un soir d'hiver, alors qu'elle cousait assise au bord d'une fenêtre au cadre d'ébène, elle se piqua le doigt et quelques gouttes de sang tombèrent sur la neige. Elle se dit « Ah, si je pouvais avoir un enfant au teint blanc comme la neige, aux lèvres rouges comme le sang, et aux cheveux noirs comme l'ébène, je serais vraiment la plus heureuse. » Quelques mois plus tard, elle mit au monde une petite fille, en tout point comme elle l'avait désiré, et lui donna le joli sobriquet de... Et peu de temps après l'accouchement, elle meurt. Le roi, qui ne pouvait rester célibataire de par sa condition de roi, prit une nouvelle épouse. Vite. Très vite. Certains diront... La nouvelle reine... Bon, elle se la pète un peu. Hein. La nouvelle reine possédait un miroir. Magique. Et tous les soirs, elle descendait à sa cave, elle demandait à son miroir, « Ô miroir, mon beau miroir, et celui-ci lui répondait, « Ma reine, tu es vraiment très très jolie. Tu es vraiment magnifique. Tu es belle comme le jour. Tu es belle comme l'amour. Tu es vraiment la plus belle de tout le royaume. » Bon, le temps passe, hein. Blanche-Neige a 16 ans, la majorité sexuelle, l'âge de se marier, quoi. Si bien qu'un soir, la reine... Bon, elle se la pète un peu. Elle descend sa cave, elle demande à son miroir, « Oh miroir, mon beau miroir. » Et celui-ci lui répond. Maki ma reine, tu es vraiment très très gentil. Ta beauté intérieure est vraiment magnifique. Mais tu sais ma reine, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et comment dire ? C'est drôle ce que t'es drôle à regarder. Avec tes bas qui roulent sur les filles. Bah, tu te laisses aller quoi. Et puis, faut être honnête, hein. On n'a pas tous les jours 20 ans. Et surtout, il y a Bianca Neve. Ça veut dire Blanche-Neige en italien, hein. Biancaneve, maintenant qu'elle a 16 ans, elle est quand même très...
Bianca Neve, elle est un petit peu... En fait, Bianca Neve, c'est ça. La reine, furieuse, décide de tuer Blanche-Neige. Garde ! Garde-chasse ! Bon, elle se répète un peu. Elle appelle son garde-chasse qui, comme tout bon chasseur, est vêtu d'un pantalon de treillis vert, d'une veste de treillis verte, d'une casquette de treillis verte et d'un nez rouge. Votre Majesté, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Tuez Blanche-Neige. Et ramenez quoi ? Son cœur. C'est dégueulasse. Le garde-chasse emmène Blanche-Neige dans la forêt, mais au moment de passer à l'acte, Blanche-Neige. Oui, Steven. Ah, ça va, il s'appelle Steven, c'est pas de sa faute. La reine m'a dit de te tuer. Oh, Steven, mais c'est affreux. Alors, casse-toi, je me démerde. Merci, Steven, tu m'enlèves vraiment une fière écharpe du pied. Le garde-chasse rentre au château et ramène, en guise de preuve à la reine, le cœur d'un porc. Oui, non, en fait, c'est parce que je travaille sur la version anglaise du conte. Et pour les Anglais, c'est pas une biche, c'est un porc. Un porc dans la forêt. Un porc dans la forêt. Non, mais c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi. Ça a une importance gastronomique considérable. Parce que ce que Disney ne nous dit pas, c'est que la reine, pensant que c'est le cœur de sa presque fille, elle le prend, elle le bouffe. Bon appétit, bien sûr. Ouh. Il y a quelqu'un ? Oh ! Une petite maison. Je vais m'y abriter. La porte était ouverte. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Oh ! Mais à qui appartient cette maison ? Oh ! C'était la maison des nains. Les nains, ces valeureux travailleurs qui rentrent de la mine en claquant leurs petites bottes sur le pavé et en chantant tous en chœur. Hi, 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 ho, hi, hi, ho, hi, ho. Oui, les frères Grimm étaient allemands. Hein. D'ailleurs, savez-vous que, selon un sondage de la Sofres, il n'y a que 3 personnes sur 100 qui sont capables de citer les 7 nains. Ce soir, on est 1280 aidés. On devrait pouvoir y arriver. Mesdames et messieurs, les mains sur le buzzer. Merci. Question pour un nain. Une personne de petite taille. Premier nain. Top. Oui. Atchoum. Et pourquoi Atchoum? Oui, j'ai entendu prof. Et pourquoi prof? Parce que adieu, monsieur le professeur. Bravo. Deuxième nain.
Stop. Oui, joyeux. Et pourquoi joyeux? Parce qu'il y a de la joie, bravo. Troisième nain. Top. Dormeur, et pourquoi dormeur? Parce que fais dodo. Quand même. Quatrième nain. Quatrième nain. Top. Oui, Hachou, mais pourquoi? Nain suivant. Simplet, et pourquoi simplet? Merci d'y avoir pensé, mais ça n'est pas la bonne réponse. Je continue donc la chanson. Dormeur, on l'a fait, monsieur. Vous venez d'arriver. C'est vous le dormeur. On m'a dit, il y en a toujours un. Je continue donc la chanson. Grincheux, et pourquoi? Carrément méchant, jamais content. Alain Souchon, bravo! Alors, pour le nain suivant, il faut quand même une certaine culture assidue du cinéma intellectuel français. Top! Ouais, je vous aide, c'est un film. Timide, ouais, pourquoi? Je suis timide, mais je me soigne. On a de la grosse culture ce soir. Bravo. Alors, attention, dernier nain. Question de rapidité. Top. Ouais, il en restait qu'un, j'aurais pu jouer n'importe quoi. Bon, bref. Blanche-Neige cherche à se loger. Vous imaginez une coloc avec 7 gars, même petits. Ils trouvent un arrangement. Un beau jour, peut-être une nuit, je sais plus, la reine. Bon, elle se la pète un peu, hein. Elle descend sa cave, elle va sur le miroir. Oh miroir, mon beau miroir! Et celui-ci lui répond: Mac et ma reine, tu es vraiment. Et puis bon, et puis surtout. Elle est toujours vivante. Furieuse, décide de faire le sale boulot elle-même. Et pour ce faire, de se déguiser en requin blanc. Mais non, je déconne, en mendiante. C'est votre petit chaperon rouge. Je vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma maman vous envoie. Alors, vous êtes planté, la vieille, c'est à côté. Elle est un peu sourde. Alors, si jamais elle répond pas, vous tirez la bobinette et la chevillette, elle va tirer par terre. Qu'est-ce que c'est? Sarah Connor. Non,
est à côté. Je reviendrai. Quoi ? Encore ? Je vous ai apporté des bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable. Non, mais des bonbons, mais j'ai plus l'âge. Puis laissez passer, il y a une dame derrière vous. Bonjour madame, qu'est-ce que c'est ? Des pommes. Enfin madame, mais c'est pas la saison. Mais mange la pomme. Enfin madame, mais je vous dis que c'est pas la saison. Mais mange la pomme. Et puis, c'est même pas l'heure du goûter. Mais mange la pomme. J'ai pas hyper faim, là. Mais mange la pomme. Non. Mange la pomme. Non. Mange. 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 Pendant ce temps, à la taverne PMU du village voisin. J'aurais vraiment dû la buter. Mais mange la pomme. Non. Mange. 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 Non. Les nains, affligés, décident de construire à Blanche-Neige un cercueil de verre afin que toutes les créatures de la forêt puissent venir admirer la morte. Le cadavre. Le macabé. Et alors ? Et alors ? Et alors ? Et vous l'avez tous reconnu sur son beau cheval blanc, avec sa belle mèche blonde, parce qu'il le vaut bien ! C'est pas lui ? Lui, c'était tout à l'heure. On a dit un cheval blanc. Mais non ! À cette heure-ci que t'arrives ! On t'attend depuis le début. Par Alexandrion. Le prince charmant tombe sur Blanche-Neige. Enfin, il tombe pas dessus, il la voit. Heureusement, elle n'était pas dans un état de décomposition trop avancé. Et décide de donner un baiser pour réveiller la morte. Bon. Puis, vous connaissez la suite, hein ? La mairie. L'église. Va d'honneur. La soirée. Demi-tour. Marche arrière. Une main entre les jambes. Les cravates sur la tête. Tomber la chemise, tout ça, vous connaissez. Eh ouais, mais n'empêche que les mecs, à l'époque, ils savaient se marrer. Parce que ce que Disney ne nous dit pas, c'est que la reine, elle est invitée au mariage et condamnée à chausser des escarpins de fer rougis au feu et à danser
jusqu'à ce que mort s'en suive. Bref, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. J'aurais vraiment dû la tuer. De piano bar, de musicien de bal, de pianiste bon à tout faire. C'est pas compliqué, on demande tout et n'importe quoi. À force, on m'appelle le MacGyver de la musique. Et mon couteau suisse, c'est mon piano. On m'a tout demandé. On m'a demandé de faire de la salsa. Du rock'n'roll. Mother Morgan. Babylon System est représenté Babylon, ouais. Même du reggae. Mais ouais. Pas si. C'est pas compliqué. À force, on me demande tout n'importe quoi. Je peux jouer ce que vous voulez. Demandez-moi ce que vous voulez. Je peux vous le jouer. Vous voulez que je vous joue quoi? Jacques Brel. Vous voulez du Jacques Brel? Là. Dans le port d'Amsterdam, il y a un marin qui chante. La 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 la. Autre chose? Mort Schumann. Mort Schumann. Allo Papa Tango Charlie, allo Papa Tango Charlie. Répondez-nous, vous cherchons. Autre chose? Muse, ré mineur. Sol. Fa. La. Autre chose? Du Johnny Hallyday. Toute la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient du blues. Et la musique vivra tant que vivra le blues. Autre chose? Quoi? Hein? Peut-être quoi? Edith Piaf? Du Renault. Pardon? J'ai entendu Freddie Mercury! C'est ça que j'ai entendu! On va la faire en entier, mais... Ah ouais, si, il y a un truc qu'on me demandait. Super Tramp. Ré. Dreamer, you know you are a dreamer. La 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 la. J'ai dit que je pouvais le jouer, hein, pas le chanter. Hein. Ah mais il y a un truc qu'on me demandait souvent
quand je faisais du piano bar à Bredune. Vous connaissez Bredune? C'est très joli. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. Les grands hôtels, les grands restaurants, les bateaux de croisière, le tour du monde. J'ai même fini à la télé. Jusqu'au jour où 2009. Le téléphone sonne. Mon petit Simon, c'est Patrick Dréan à l'appareil. Vous connaissez Patrick Dréan ? Je rappelle pour ceux qui ont oublié. Patrick Dréan, c'est le directeur des deux plus grands festivals de jazz au nord de Paris. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps sur la programmation. Il me dit, dis-moi Simon, tu joues toujours du piano ? Écoute, ça tombe bien. Je t'offre l'ouverture du festival de la Côte d'Opale. Tu fais ce que tu veux. Ah ouais, super, la Côte d'Opale, que vous voulez que je vous joue quoi? Vous voulez que je vous joue du Muse, du Johnny? Non, tu fais ce que tu veux. Ce que je veux. C'est un endroit qui... Mais qu'est-ce que je veux jouer? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'ouverture du Festival de la Côte d'Opale. Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur Patrick Dréan de m'avoir invité, d'une manière tout à fait opportune. Pour commencer ce récital, je vais vous interpréter une œuvre de ma composition. Un thème et variation sur une mélodie de la musique populo-dramatique du début du XXe siècle, chère à notre patrimoine français. Thème et variation en Do majeur de Simon Fasch sur le thème La grosse bite à Dudule. Thank you.
savez quoi? Ça lui a plu. J'en ai fait un spectacle. Et ce soir, on fête la 100e. Ich lieb dich, du liebst mich nicht. Refrain. Da da da. Ich lieb dich, wie du liebst mich nicht. Da, da, da. Et voilà, c'était Pianistologie Symphonique avec l'Orchestre de la Folia, dirigé par François Clerc. Merci. Ce soir, à la cloche solo, Célestin Billet. Et l'amicale des mariachis d'Hersin Coupini. Et pourtant, on se souvient jamais ni de sa tête ni de son nom. Et je vous demande d'accueillir ce soir, rien que pour vous, le régisseur général, le Panda. Da da da. 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 Da da da.
et surtout, n'oubliez pas, faites de la musique !